Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien sur cette merveilleuse émission, web émission, la première web émission 100% Farming Simulator. On va parler de Farming Simulator, on va parler mode, on va parler map, on va parler DLC et aussi théorie sur Farming Simulator. Alors bon, j'ai quelques 2-3 trucs à vous dire quand même avant de commencer cette petite émission, puisque il est vrai que les deux dernières semaines, je n'ai pas fait d'émission sur Farming Simulator, je n'ai fait aucune émission. Pour la simple et bonne raison que j'avais beaucoup de choses d'autres à faire. Et aussi une petite histoire de flemme. On oublie cette phrase. Donc j'ai fait tout simplement le petit projet 5 théories sur Farming Simulator. Pour ceux qui m'ont suivi un petit peu. 5 théories sur Farming Simulator pour ceux qui m'ont suivi. Cette vidéo là m'a pris assez beaucoup de temps à faire. Parce que c'était très long. Honnêtement, je vous le dis, c'était vraiment très long. Il a fallu trouver les théories, il a fallu tourner la vidéo. Alors, à la base, je devais être en facecam et au final, je l'ai fait complètement avec des images d'illustration. Les théories, il a fallu les faire. Le montage m'a pris 2 jours. Parce que je suis nul, certes. Mais aussi parce que c'était long et je n'avais jamais fait un montage tel que ça. Alors, 2 jours. 1 jour, mais 2 grosses après-midi en tout cas. Donc voilà, ça m'a pris longtemps à faire, c'est pour ça que je n'avais pas fait pendant ces 2 dernières semaines. En plus, le lundi était férié, j'ai été invité à manger à droite à gauche. Bref, cette émission, cette web émission est de retour pendant 1 heure. Alors peut-être un petit peu écourté aujourd'hui, mais voilà, parce que j'ai un petit projet aussi d'un autre truc qui me prend du temps. Je en reparlerai tout à l'heure, ce sera un petit point, un petit sujet de cette émission. Alors de quoi je vais parler, parce que je dis que je parlerai un petit peu des maps, des théories, dans quel ordre, comment. On parlera du DLC de Farming, le nouveau DLC, le dernier DLC qui est sorti, c'est le DLC Big Bud, le DLC Big Bud qui est sorti, qui coûte 14,99€, qui est extrêmement cher. Je reviendrai sur mon point de vue sur DLC, ce que j'en pense, les machines qui sont dedans, j'en reviendrai tout à l'heure. La map aventure, qu'est-ce que c'est? Eh ben, vous allez bien voir, c'est ma prochaine carte qui va sortir. J'en parlerai après. Les théories sur Farming Simulator, la vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire, j'en reparlerai parce que pour moi, honnêtement, Mario, Sonic, tous les gros jeux, tous les grosses séries ont le droit à leurs théories. Ils ont le droit, eux, à avoir des théories, des easter eggs. Et nous, Farming, on n'a pas le droit. Pourquoi? Je trouve ça injuste et j'en reparlerai tout à l'heure. Et aussi, j'ai été absent ces 2 dernières semaines parce que, vous l'avez vu, mon petit vlog sur la radio, il a fallu aussi que je le fasse. Donc c'est pour ça aussi que j'étais absent. Et les vidéos sur la radio, j'en reparlerai. Je parlerai aussi d'une très bonne chaîne YouTube qui était en live hier. Alors, tout dépend en fait quand je poste cette vidéo, mais en théorie... Hier ou avant-hier, tout dépend si c'est samedi ou dimanche. En tout cas, elle était en stream vendredi soir à partir de 19h. J'en parlais à cette chaîne là. Mais moi, la radio, en fait, il faut savoir que ma chaîne va se diriger principalement vers des vidéos de ce type. Peut-être un petit peu abandonner le farming pour essayer de faire des trucs qui me plaisent plus. Bon, peu importe, j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai de ce sujet là. Mais vas-tu me dire, une émission sur la radio, une web émission, alors qui est nulle? Bah non, parce qu'en fait, mon gars, je fais déjà de la radio IRL, hein, ça il faut le savoir. J'en parlerai tout à l'heure, justement, dans le dernier sujet. Mais dans une émission, on écoute aussi un petit peu ce qu'on appelle de la musique. Donc, première musique, ce sera Niviro, The Ghost. Elle fait peur, la musique, un petit peu. Electromia. GGD Free. Bon, en vrai, il fait des très bons titres, mais celui-là est particulièrement bien. Un titre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais honnêtement que je kiffe. Domastic. Weird Dream, avec mon accent super, super trop bien anglais. Bon, en entier, honnêtement, il est vraiment bien. Et le titre,
Honnêtement, là, c'est mon coup de cœur. C'est mon petit coup de cœur de No Copyright Song. Malik Bash. Qui s'appelle Ghost. Le titre est juste très bien. On l'écoutera tout à l'heure. Un petit peu de dubstep, Paul Flynn. Et puis le titre que j'ai l'habitude de mettre pour terminer cette émission, Electromia Limites. Electromia qui est quand même pas mal mise à l'honneur avec deux titres. Free Limites sur cette émission. Mais bon, si vous aimez ces musiques-là, vous inquiétez pas, vous allez bien les écouter tout à l'heure. Vous allez voir, elles sont très bien. Vous pensez tout connaître de Farming Simulator ? Eh bien, détrompez-vous. Gwendal, la seule radio 100% Farming Simulator. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Si, si, je t'assure. Where did you come from, Cadenado ? Alors... Après, alors, je suis... j'ai des petits jingles, voilà, que j'ai fait à maison. Normalement, j'ai censé, je suis censé les avoir refaits, ou en faire d'autres, en tout cas. Bon, ça n'a pas été fait. Ça fait, je crois, déjà quelques semaines que je dis que je dois les refaire ou je dois en faire d'autres. Bon, voilà, j'en reparlerai, je pense, la semaine prochaine. Et je vous dirai, putain, mais pourquoi j'en ai pas fait d'autres ? Voilà, bon, peu importe. On va parler du DLC Big Bud. Alors le DLC Big Bud, c'est voilà, vous n'êtes pas passé à côté. Farming Simulator, Giant Software a sorti un nouveau DLC sur Farming. Ils ont sorti un nouveau DLC, ils ont sorti tout simplement le DLC Big Bud. Donc c'est un DLC qui représente plutôt un univers Big Bud, voilà, d'où le nom Big Bud, c'est très con. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce DLC là ? Il y a deux gros tracteurs. Alors, les Big Bud, pour ceux qui ne sachent pas ce que c'est des gros tracteurs, 4 roues égales, articulés, qui sont énormes, qui font, dans le DLC en tout cas, 500 chevaux. Il y en a un qui fait 500 chevaux et l'autre qui fait 1100 chevaux. Donc, c'est une petite bestiole, hein, voyez-vous. Et donc, en fait, le pack d'outils qu'il y a avec, c'est une charrue de 10 mètres de large. Là, j'ai un semoir de 18 mètres de large, voilà. Honnêtement, il y a du gros matos. On a aussi plusieurs machines ensemencées, 25 mètres de large, 18 mètres de large, un petit cultivateur de 24 mètres de large. Donc honnêtement, c'est juste énorme. Des cultivateurs de 18 mètres de large. Aussi, un truc qui est assez impressionnant, c'est tout simplement en termes de transbordeur. Il y a un transbordeur qui fait 53 millilitres. Le truc est juste énorme. Et moi, honnêtement, alors, je sais pas si ça existe réel. Je pense qu'honnêtement, si. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. C'est un épandeur à fumier. Écoutez-moi bien. Un épandeur à fumier de 4 essieux. Rien que ça. Le truc épand sur 15 mètres de large. Jusqu'à là, rien de très extraordinaire. Mais la contenance, 70 000 litres. Je sais pas si vous imaginez, mais les remorques de farming, la plupart font moins. Et donc, c'est énorme. Imaginez le truc en vrai. Mais en vrai, c'est juste énorme. Honnêtement, en vrai, c'est juste énorme. Alors, en fait, c'est des matos utilisés sur vraiment des grands champs. En France, on n'a pas ça. Hein. En France, peut-être en Beauce, voilà, où il y a vraiment des grands champs. Mais en France, c'est pas vraiment ce qu'on utilise. Il y a très, très, très peu de fermes qui utilisent ça. Peut-être plus dans le nord-est de la France. Tout ce qui est à l'est de Paris, je dirais. Tout ce qui est à l'est de Paris, à descendre. Là, peut-être qu'il y a plus des régions qui sont propices. La Champagne, si je dis pas de bêtises. La Champagne, normalement, ça ressemble à ça. Bon, à ce que j'y connais, le si peu que j'y connais. Moi, j'habite à Nantes, hein, donc vraiment pas à côté. Moi, j'habite sur la côte atlantique, en dessous de la Bretagne. Donc, rien à voir. Et en tout cas, je peux vous dire que chez moi, on n'a absolument pas ce genre d'outils. Même peut-être, j'y pensais, mais en Beauce, on utilise peut-être ce genre de machine. Alors, pas des gros Big Bud hein, qu'on a. Voilà, on n'utilise pas ça. Honnêtement, en France, mais alors, on utilise peut-être ça en France. Il y en a peut-être certaines fermes ou peut-être plus des entreprises qui en ont, pas des aussi grosses machines, mais peut-être voilà des Big Bud. Enfin, quoi que ça, c'est pas vraiment une marque française, c'est plus américain, plus de l'Amérique du Sud aussi.
tout ce qui est Brésil et même des pays de l'Est en fait. Donc, même si c'est beaucoup plus américain, mais en tout cas des grosses machines comme ça, on utilise plus ça aux États-Unis en fait qu'en Europe ou même en Afrique. Bon, oublié. Asie peut-être, ouais, Europe de l'Est, Asie, Russie, tout ça peut-être. Bon, en tout cas en France, ça c'est sûr. Voilà, il n'y a pas de grosses machines comme ça ou en tout cas c'est extrêmement rare. Le DLC coûte 15€, 14,99€ pour être précis. Donc voilà, un truc, voilà, pour en reparler du prix, un truc voilà qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle. Alors pour ceux qui jouent K-Farming, ils ne savent pas forcément, mais en fait sur la plupart des jeux vidéo, il y a une règle en fait qui est que en fait quand on propose un jeu payant, surtout Farming n'est pas donné. En fait, les DLC, le contenu qui sont créés par... donc là, il y a la communauté qui crée des mods. Mais les contenus qui sont créés par les créateurs du jeu, en fait, généralement, est gratuit. En fait, c'est des espèces de mises à jour, voilà, en gros, qui donnent aux joueurs et qui sont gratuits. A l'inverse, si je prends par exemple LOL, j'y joue pas du tout, hein, mais LOL, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a du contenu que l'on peut acheter. Dites-moi, alors LOL, League of Legends, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, dites-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, mais en fait, dans LOL, le jeu est gratuit, mais on peut acheter du contenu. Donc voilà, des DLC ou même du contenu supplémentaire qui est du plus. Voilà, c'est pas obligé de l'acheter pour jouer au jeu, mais c'est du plus. Voilà, qui est payant parce que le jeu est gratuit. Donc en fait, sur la plupart des jeux, c'est soit le jeu est gratuit et on fout du contenu supplémentaire pour quand même que les développeurs gagnent de l'argent. Et à l'inverse, quand le jeu est payant, du coup, en fait, le contenu derrière est gratuit. Sur Farming, ce n'est absolument pas du tout le cas, puisque le contenu est payant et le jeu est payant. Et les deux ne sont absolument pas donnés. Hein. Faut savoir que voilà. Honnêtement, le jeu coûte 30€ à peu près. Voilà. Donc le jeu, c'est vraiment tout le moteur, tous les véhicules. Là, imaginez 15€, un DLC avec deux tracteurs et une quinzaine d'outils. Je ne les ai pas comptés, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 2, 12. Donc. Voilà, 12 outils, une douzaine d'outils avec deux tracteurs coûte 15€. Voilà, honnêtement, je sais pas trop quel est leur intérêt parce que moi, ils mettraient beaucoup moins cher, 5€. Mais ils se feraient même, je pense honnêtement, pour moi, beaucoup plus d'argent. 15€, 10€, enfin ouais, non, peut-être. Peut-être que c'est moi qui délire, hein, mais dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Mais moi, honnêtement, je pense que c'est un jeu qui est beaucoup trop commercial, voilà, par les créateurs, par Giants. Et honnêtement, bon, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est ce qui va créer leur perte à Farming, c'est à vouloir toujours faire plus. Et la communauté qui se rebelle, bah, ça ne va jamais faire bon ménage et ça va faire une guerre. Une guerre comme on a pu avoir une guerre civile dans différents pays. Et ça va être une guerre de Farming. Voilà. La guerre de Farming, on va arriver avec nos bandanas tels à la Koh-Lanta. On va arriver dans les locaux de Giants en Suisse, à Zurich, si je dis pas de bêtises, avec nos pelles, nos fourches et nos tracteurs miniatures, et on va leur casser la gueule. Bon, voilà, j'abuse un petit peu, mais honnêtement, virtuellement, hein, évidemment, mais je pense qu'il va y avoir une guerre, une guéguerre, entre guillemets, et puis la communauté qui va pas être d'accord, et je pense honnêtement qu'il va pas se laisser se faire, hein, voilà, qu'il va arrêter de jouer ou va jouer, mais va pas être d'accord. Honnêtement, je sais pas trop ce que va donner le futur de Farming, mais ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur. Moi, j'en reparlerai plus tard dans cette émission, mais moi, voilà, j'ai plus trop envie de mapper. Farming me dégoûte un peu parce que, Farming m'énerve. Les DLC qui sortent, qui sont hors de prix, que tu peux même pas t'acheter. Le jeu, qui est pas donné. Heureusement qu'il y a des bons modes qui sortent, mais bon, voilà. Ça me saoule un peu. Voilà, je vous le dis, ça me saoule un peu. Alors peut-être que vous qui découvrez Farming, vous êtes hyper content, mais moi honnêtement, pour avoir joué au 13, 15, 17, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Farming part en couille, honnêtement, je vous le dis. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà, mon point de vue sur le DLC, en tout cas, est pas très bon. Là-dessus, je pense que vous avez pu le constater. C'est pas grave, vous savez quoi? On va se réconcilier avec un titre un peu gore. Nivro, The Ghost. Il est assez gore le titre, écoutez ça.
Et oui, comme je vous le dis, ce titre fait très peur, c'était Nivro The Ghost. Vous voulez des infos sur les modes, DLC et mises à jour de Farming Simulator, vous êtes sur la bonne radio. Yes, vous écoutez la bonne émission, vous écoutez la bonne personne, Gwendal. On est encore, je pense, pendant 40 minutes ensemble et on va parler de map aventure. Alors, allez-vous me dire... Une map aventure, donc tu fais du farming, ok, bon, d'accord, pourquoi pas. Map aventure, alors aventure, ça peut être aventure, genre tu crées ta ferme, tu crées ton truc, bim, t'es parti dans une aventure. Eh ben non, pas du tout. Map aventure, c'est tout simplement une map que j'ai créée qui va sortir dans pas longtemps. Bon là, je la fignole un petit peu, elle est pratiquement finie, il reste quelques éléments de décor à faire, il reste les tests aussi, donc voilà, j'ai la map, donc vous inquiétez pas, il y a déjà des testeurs, hein, donc bah voilà, il y a déjà des testeurs, donc en commentaire, ne commencez pas à me dire, ah ouais, moi je veux bien tester une nouvelle carte, bah non, parce qu'en fait, il y a déjà des testeurs qui vont la tester, voilà, c'est des gens que, voilà, que j'ai sélectionné sur le volet, ou sur la fenêtre, chacun voit ça, donc qu'est-ce que c'est cette map aventure? Allez, vas-tu me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Une map aventure. Alors, l'idée est m'est venue à la base de Minecraft. Voilà. Donc, alors, comment on peut concilier... comment qu'on peut concilier du farming et du Minecraft? Je vois pas trop le... Il y a un problème. Il y a un fossé, là, je vois pas. Alors, en fait, à la base, moi, je regardais des vidéos de... Bah, je sais plus qui, voilà. Il y a tellement longtemps, je crois qu'il y a 2-3 ans de ça. C'était sur Farming 15. Alors, à l'époque, au début de Farming 15... Quand j'ai commencé le mapping, en fait, je regardais des vidéos de Minecraft, de je sais plus qui, un gros youtubeur, et qui faisait ouais, des espèces de map aventure. Une map aventure où il fallait trouver des trucs, machin, qui débloquaient des. Bon. Et j'avais commencé sur FS15 une map aventure comme ça. Projet que j'avais abandonné parce que voilà, je connaissais pas assez le mapping et même. Enfin, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Et donc, j'ai abandonné l'idée.
Et là, j'ai regardé un stream du youtubeur ClassDig69, auquel je fais un petit coucou, que je connais bien, que je connais même très longtemps, depuis quoi, là, que j'ai commencé sur YouTube, il me connaît, je le connais, donc on se connaît. Et donc du coup, qui cherchait simplement des pépites d'or sous un arbre qui volait, et en fait il devait enlever un tas de je sais plus trop quoi, de compost, et devait trouver normalement des pépites d'or, bah les pépites d'or qu'il y a dans le jeu, hein, en dessous. Et là je me dis, mais putain, mais en fait c'est ce que j'avais fait sur ma map que j'avais pas fini sur le 15. Et je me suis dit, mais, et ouais, mais putain, mais c'est trop bien ça. Donc en fait du coup ce que j'ai fait, c'est que en une semaine à peu près, donc ouais, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a 2 semaines, et donc du coup je me suis attelé à faire une map aventure. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans cette map aventure? Et bah c'est très simple. Alors là je l'ai pas sous les yeux du tout, je ne suis pas sur Giant, mais bon, ce serait peut-être quand même pas mal d'y aller, parce que bon, sinon je vais oublier. Alors qu'est-ce qu'il y aura sur cette map là? Alors c'est une map qui va pas peser très lourd, la map est finissable. Voilà, justement j'ai des testeurs pour que la map soit finissable. La map est traduite en 3 langues, le français, l'anglais et l'allemand. Français, anglais, allemand. Parce que bah, le truc c'est que bah, il faut quand même qu'il y ait des gens un petit peu voilà, si la map était chargée par des gens de plusieurs pays, il faut voilà, que les gens la comprennent. Donc il y a des gros panneaux. Donc il y a des gros panneaux, vous spawnez devant 3 gros panneaux. Enfin 3, vous spawnez devant des gros panneaux. Vous cherchez le français et vous allez tout simplement en fait trouver voilà, un texte en français qui va vous donner des indications. Vous prenez votre voiture, alors bon, suivi des indications, vous allez avoir 3 jumps à faire. Alors bon, voilà, c'est-à-dire que si vous n'avez rien sous les yeux, vous n'allez pas comprendre. Mais quand vous allez avoir la carte, eh ben, vous allez avoir 3 jumps à faire en voiture. Bon, si vous ratez les jumps, vous commencez au début. Voilà. Ensuite, vous allez dans une petite forêt, vous devez trouver 3 pièces d'or à la Koh Lanta. En fait, c'est la dernière épreuve de Koh Lanta. On doit trouver des arbres un peu ou des endroits un peu bizarres. Et on doit trouver des couteaux, je sais plus. Et ben là, c'est pratiquement pareil. En fait, vous allez devoir trouver 3 arbres. Donc, bon, bah voilà. Il y aura des dessins des arbres pour pouvoir les trouver. Mais 3 arbres en fait qui sont pas normalement mis, à côté de ces 3 arbres, il va y avoir des pépites d'or, je crois que c'est sur des pépites d'or sur FS17. Et vous allez devoir tout simplement ramasser ces 3 pépites d'or, donc il y a 3 arbres chelous, 3 pépites d'or. Alors il se peut que vous trouviez les 3 pépites d'or avant de trouver les arbres chelous, hein, mais bon, les arbres c'est juste vraiment pour vous aider en fait. Et vous devez trouver la sortie, en fait, de cette petite forêt. Donc, forêt qui est entièrement clôturée. Vous devez trouver la sortie de cette petite forêt, qui est assez compliquée. Ensuite, vous avez un jump au joueur. Donc, en fait, j'ai mis des espèces de barrières, en fait. Et vous devez jumper de barrière en barrière pour pouvoir accéder par-dessus, en fait, un mur invisible, hein. Voilà, vous devez jumper, accéder à un autre endroit en fait. Pour accéder, vous devez sauter dans un autre endroit. Vous prenez votre voiture, vous avez d'autres jumps à faire. Alors là, c'est des jumps un peu différents que les premiers. Vous allez voir, je ne vais pas non plus vous spoiler. Ensuite, donc, je répète depuis le début, jump en voiture, petite forêt, on doit trouver des pépites d'or. Jump au joueur. Et ensuite, vous arrivez sur un autre deuxième jump en voiture. Ensuite, vous arrivez sur une autre forêt, une deuxième forêt, où en fait, il y a des espèces de souches d'arbres, 3 souches d'arbres, où il y a 3 pépites d'or que vous devez trouver. Et en fait, vous devez aussi trouver en fait des espèces d'arbres couchés qui vont former une flèche et qui vont vous indiquer tout simplement la sortie. Puisque je pense que, voilà, pour la première forêt, les gens vont tellement galérer à trouver la sortie que sur la deuxième forêt, j'indique la sortie. Vous arrivez dans un espèce de rond, dans un espèce de cercle, où en fait vous devez trouver, donc il y a des trous en fait, il y a des trous sur tout le côté du cercle, et dans ces trous il y a les tas de copeaux de bois en fait, les tas de copeaux de bois, et sous ces tas de copeaux de bois il y a le reste des pépites d'or. Donc depuis le début on en a ramassé 6, et donc en fait du coup il y a
toutes les autres pépites d'or qui sont sur sur le dessous en fait. Un des alors il y a une quinzaine de trous en fait avec l'état de copeaux de bois, et en fait dessous ces tas de copeaux de bois il y a le reste des pépites d'or. Et où sont ces pépites d'or? Et bah, il y a la sortie. Alors c'est pas où il y a les pépites d'or qui est la sortie, vous allez voir, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est ça aussi qui rend la map assez originale. Une fois que vous avez trouvé la sortie de ce espèce de cercle où il y a des pépites d'or, vous avez d'autres jumps en voiture. Et pour finir, la fin est plus simple. Alors la fin est honnêtement assez compliquée. Je pense que la fin, honnêtement, c'est ce qui va être le plus compliqué, parce que vous avez recommencé plein de fois. Une fois qu'on a fini ces espèces de jumps, on arrive dans un espèce de serpentin sous le sol, en fait. Sous le sol de la map. Et voilà, une fois que... au début, je voulais mettre un labyrinthe à la place. Mais bon, j'ai abandonné parce que ce serait trop compliqué. Et donc, du coup, en fait, une fois qu'on a fini ces serpentins-là, on arrive tout simplement, voilà, à la fin de la carte. Bon, vous allez voir ce qu'il y a à la fin. Bon, voilà, je ne vais pas vous spoiler. J'espère que vous avez à peu près compris ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. En tout cas, petite map aventure, des jumps aux joueurs, des jumps à la voiture, des forêts où il faut chercher des pépites d'or. Bon, vous allez voir, si vous n'avez pas trop compris ce que je vous ai dit, vous allez voir quand vous allez avoir la map. Voilà, donc je ne sais pas trop quand, peut-être dans une ou deux semaines, la map va sortir. Mais ouais, pas avant. Si vous retournez la voiture, parce que vous savez que si vous pouvez retourner la voiture, faut recommencer au début. Donc je mettrai un point de réinitialisement pour recommencer dès le départ. Donc évitez de retourner votre voiture, évidemment. Voilà. La map est assez complexe. Donc je l'ai faite, hein, je l'ai pratiquement finie. Il reste plus que le décor, donc la map est fonctionnelle. Je n'ai pas réussi à la finir. Alors, en fait, j'ai pas réussi à la faire d'une traite. J'arrive en fait à faire petit bout par petit bout, puisque quand j'ai fait la map, fallait que je teste si les jumps étaient possibles aux joueurs ou en voiture. Fallait que je teste si les sauts, en fait, étaient possibles. Donc, tous les sauts, c'est possible. La map est finissable. J'ai juste pas réussi à la finir. Mais la map est finissable entièrement. Ça, je vous le garantis. Très tiré par les cheveux, certes. Mais en tout cas, elle est finissable. Donc voilà, la map... C'est la première de ce type que je vois sur Farming, honnêtement. Donc, je sais pas si ça va créer des tensions. On verra bien. J'espère que beaucoup de gens vont jouer sur cette carte-là. Faites des vidéos, galérez, parce que c'est le but quand même. Et honnêtement, ce serait assez cool s'il y a des gens d'autres pays qui essayent de faire ça. Parce que la map serait quand même en allemand et en anglais. Donc, les gens de différents pays comprendront, tout simplement. Parce que quand on arrive dans la forêt, il faut savoir ce qu'on cherche à un moment. T'as la forêt, ouais, c'est bien, mais il faut chercher la sortie. Voilà. Vous pouvez tricher, en fait. Hein. Vous pouvez tricher, c'est en volant, notamment. Notamment en volant, en se mettant en fly mode. En mode, quand on vole, quoi. C'est possible, mais il n'y a aucun intérêt. Autant pas télécharger la carte, en fait. Hein. Donc voilà. La map. Et disponible, vous allez voir, je pense que honnêtement vous pouvez vous amuser des heures dessus, vous allez voir ceci. Donc ce qui m'amène à y penser qu'en fait, il n'y a pas de carte comme ça, il n'y a pas de projet comme ça qui se fait sur Farming. Et honnêtement je trouve ça très dommage, voilà, je trouve ça assez dommage qu'il n'y a pas de projet qui se... de ce type sur Farming. Des maps aventures. En fait, des trucs qui changent de l'agriculture, en fait. J'ai fait une map forêt, il n'y en a pas des masses. J'ai fait une map aventure, il n'y en a pas. Donc, honnêtement, je trouve ça assez dommage, justement, que sur Farming, il n'y ait pas plus d'innovation, de trucs. Voilà, l'agriculture, c'est bien, c'est un jeu agricole, quoique. Mais. Voilà, il n'y a pas. On se contente vraiment que ça. Que sur ça. Comparé sur d'autres jeux comme Minecraft par exemple, où il y a des tas et des tas de trucs qui se font. Sur Farming, il n'y a pas ça. Bon, c'est un autre jeu, c'est une autre communauté aussi, mais bon, c'est vrai que c'est assez, assez différent. Quoique, la map sera disponible dans 2 semaines. Innovation française par un youtubeur français nantais qui plus est. J'espère honnêtement que vous allez kiffer, parce que voilà, c'est une map que j'ai mis du temps à faire, à imaginer aussi, parce que avant de faire la carte, faut quand même imaginer ce que tu vas faire,
les jumps, à savoir à quoi ils vont ressembler, avec quel objet, voilà. Mais bon, honnêtement, en fait, vous l'avez pas vu, donc vous savez pas de quoi je parle. Mais quand vous allez la voir, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parlais dans cette émission. Voilà, vous allez voir de quoi je parlais. Petite musique pour décompresser après ce speak interminable. Domestic Weird, Weird Dream. Seule radio 100% famille qui m'attend. Pensez tout connaître de Farming Simulator? Eh bien, détrompez-vous. Gwendal, la seule radio 100% Farming Simulator. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Si, si, je t'assure! Where did you come from, Katnado? Il paraît que c'est pas mal qu'on allume son micro. Voilà, il paraît que c'est, bon, il paraît que c'est pas mal. Voilà. Surtout qu'en fait, surtout qu'on fait une web émission où il y a que de l'audio, c'est vrai que c'est pas mal quand on a un micro. Bon, bref. Passons. Donc, je vous ai parlé de la map aventure. J'espère que vous allez la télécharger en masse. Je ferai une vidéo spéciale dessus. Si vous êtes youtubeur, n'hésitez pas à faire des vidéos dessus. Ça serait honnêtement assez cool. Même, je pense, me chronométrer. Si un jour j'y arrive à le faire, me chronométrer en combien de temps je l'ai fait. Et voilà, pouvoir comparer avec vous le temps que vous mettez à le faire. Bref, passons. Donc, pour cette deuxième partie d'émission, qu'est-ce qu'on va. On va parler de quoi? On va parler simplement des théories sur Farming Simulator, des Easter eggs. Voilà, on va parler de ça voilà, gentiment suite à la vidéo que j'ai faite. Évidemment, et aussi on va parler des vidéos sur la radio que voilà, je suis susceptible de faire du style. Bon, vous allez voir, je vais en reparler tout à l'heure de toute façon. Et qu'est-ce qu'on va s'écouter comme musique pour cette deuxième partie d'émission? Malik Bash, comme j'ai dit tout à l'heure.
titre que j'adore au passage. Paul Flynn. Pas mal. Et puis pour finir, Electromia Limites. Electromia Limites, titre que j'adore au passage. Bon, bref. Donc, parce qu'en fait, j'ai un peu du retard. J'ai à peu près 10 minutes de retard sur ce que j'avais prévu. Voilà, j'avais prévu de parler de théorie de farming et des vidéos radio en moins de temps que ça, mais bon, je vais devoir écourter un peu si je, mon émission veut durer une heure au lieu de 2h30. Donc les théories sur farming, pour ceux qui ont vu, j'ai sorti une petite vidéo sur les différentes théories sur le Farming Simulator. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo là? À la base, donc pour ceux qui connaissent le youtubeur Didier Chandudoui, bon, c'est un youtubeur qui fait des 5 théories. Donc en fait, lui, sur sa chaîne, il y a des 5 théories sur Harry Potter, Game of Thrones, Pokémon. Enfin, vraiment des 5 théories sur plein de domaines. Et en fait, moi, j'avais envie de faire un truc pour farming. Parce que en fait, c'est vrai que farming, tout le monde se contente que vraiment, voilà, l'aspect agricole, il n'y a que ça. Et en fait, bah, c'est un peu comme, voilà, c'est la suite, en fait, de la map aventure. Ou même ce qu'il y avait avant, puisque la vidéo a été faite avant la map. Mais en fait, voilà, essayez, en fait, que farming soit autre chose, en fait, qu'un jeu d'agricole. Voilà, notamment en faisant des maps aventures, notamment en essayant de développer des théories sur farming. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'ai parlé notamment comme quoi farming n'était pas un jeu d'agriculture, parce qu'il y avait la sylviculture, des missions, le camion qui faisait rappeler le routier, hein, l'aspect routier. Une autre théorie qui est pas mal, c'est farming et autres trucs dans le même monde, notamment avec la date de sortie des jeux qui sont très proches. Les jeux qui sont sortis la même année, la première édition, tout du moins. Le fermier radin, voilà. Allez, regardez mes vidéos, je développe ça mieux que je le développerai actuellement. Farming sur une autre planète, voilà. Oui, effectivement, je suis allé chercher des théories un petit peu perchées. Voilà, notamment avec le temps qu'on peut faire varier, du style trou noir, tout ça. Et le fermier, le dernier habitant de sa planète. Parce que voilà, il n'avait aucune interaction avec les autres membres du jeu. Voilà. Donc, Farming Simulator sur une autre planète et que ce serait le dernier habitant de sa planète. C'est des théories qui sont complètement what the fuck. J'ai reçu un commentaire comme quoi, voilà, ouais, c'était pas vrai parce que voilà, regarde cette théorie là, voilà, ça peut pas être possible. Alors, en fait, le but d'une théorie, c'est que ça soit pas vrai, c'est que ça soit pas vrai. En fait, le but d'une théorie, c'est que. C'est une théorie, en fait. Ça n'a pas à être vrai, ça n'a pas à être faux. Ça peut peut-être être vrai, et ça peut peut-être être faux. Et c'est ça qui fait la magie d'une théorie. Parce qu'en fait, sinon, ça s'appelle pas une théorie, ça s'appelle une information. Voilà, si on se dit, par exemple, Farming Simulator est sur notre planète, et puis si Giant se dit, voilà, on s'est inspiré de la planète telle pour faire le jeu, bah, en fait, oui, effectivement, parce que du coup, ils se sont inspirés d'une autre planète, donc effectivement, le jeu est fait sur notre planète. Mais c'est pas une théorie en fait, c'est vrai, voilà. Et en fait le but d'une théorie c'est pas que ce soit vrai, c'est pas que ce soit faux, c'est que ce soit une théorie, justement. Et donc pour les commentaires rageux que j'ai pu recevoir, voilà, ça n'a pas à être vrai, ça n'a pas à être faux. Farming n'est pas, voilà, toutes les théories, il y a des trucs qui peuvent être vrais, il y a des trucs qui peuvent être faux, il y a des trucs qui peuvent être potentiellement ni vrai ni faux, mais voilà. Et c'est justement ça qui fait la magie d'une théorie, c'est que, voilà, faut pas que ce soit vrai, faut pas que ce soit faux. Donc, bah voilà, pour répondre vite fait à tous ces commentaires. Artrem, personne que vous connaissez sans doute, qui est notamment modo sur mes streams, voilà, petite personne, qui a développé une autre théorie. Alors bon, il m'a dit une info et je dis, ah ben oui en fait, mais Farming est sur une autre planète, mais cette planète-là compterait en binaire. Attention, pourquoi ? Non, pourquoi ? Je vais pas dire pourquoi, parce que je compte faire une deuxième vidéo, justement. Donc, si vous avez des théories sur Farming Simulator, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais bon, Farming serait une autre planète, et cette planète-là n'aurait pas des nombres décimaux, mais des nombres binaires. Voilà. Honnêtement, théorie, bon, en fait, il y a autre chose, voilà. Cette théorie-là,
voilà, s'étaye sur des faits, en fait, avec Minecraft. Bref, passons. En tout cas, voilà, théorie sur farming que j'ai développée. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo au passage. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Mais moi, honnêtement, les théories, ça me plaît. Voilà, j'adore ça. Moi, les théories du vrai, du faux, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. J'adore ça. Moi, j'adore me poser des questions. Et justement, les théories, c'est une bonne chose pour se poser des questions. Voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce que... On ne sait pas. Et la magie, c'est de ne pas savoir, justement. Est-ce que Malik Bash... Bash, oui, Malik Bash, ouais, va nous aider à comprendre si farming est sur une autre planète? Je ne sais pas, mais en tout cas, son titre, Ghost, fait assez flipper comme ça. Et est-ce que ça va ouvrir des failles spatio-temporelles? Je ne pense pas. On va écouter ça, puis je vous dis juste après. Ça finit tout en douceur, ce morceau. Ce morceau est très calme. C'était Malik Bash, Ghost. Oh,
tonight is Gwenda. Qu'est-ce que je chante bien, c'est comme très fort. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Elle n'est pas encore terminée. Dernier sujet. Alors, dernier sujet, ça concerne pas forcément farming. Voilà, on a parlé de DLC, on a parlé des maps aventures, maps que je vais sortir. Voilà, dans quelques jours, dans quelques semaines. On a parlé aussi des théories sur Farming Simulator. Alors là, je ne peux pas plus parler de Farming Simulator si je parle simplement du contenu de farming, voilà, les easter eggs, les failles de farming. Mais là, on va parler, vous savez quoi, on va parler un petit peu de moi, parce que c'est comme ça, puisque c'est moi qui fais l'émission surtout. Donc, tout simplement, les vidéos sur la radio. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait un deuxième vlog, voilà, la radio où je suis bénévole. Il va falloir que moi, en vrai, IRL, je suis réalisateur radio. Voilà, donc je voudrais un peu vous parler de ça parce qu'en fait c'est assez important pour moi en tout cas. Pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que j'ai dit au début de l'émission, voilà, j'en ai un petit peu marre de farming, de cette communauté, de ce jeu. Voilà, on en bouffe beaucoup des streamers. Enfin, entre guillemets, les streamers ne m'énervent pas. Les streamers sur farming ne m'énervent pas, parce que même moi, il m'est arrivé de faire des streams sur farming. Donc non, moi, les streamers ne m'énervent pas du tout. Mais en fait, c'est le streaming, je sais pas trop comment dire. En fait, le fait de d'avoir, je sais pas trop comment développer ce sujet-là, parce que en fait, j'ai peur de me faire des ennemis. Donc comment puis-je parler, mais sans me faire clasher? Les streamers sur farming, en fait, ce serait très con de me clasher avec les streamers, parce qu'en fait, j'en connais la plupart. Et la plupart me reconnaissent quand je vais sur leur stream. Alors, donc, c'est très con. Mais, en fait, c'est surtout la communauté, en fait. Je parle des streams, puisque, bon, voilà, il y a beaucoup de gens de la communauté farming qui sont sur des streams farming sur Twitch. Et en fait, bah, dans cette communauté farming-là, il y a des kikou, beaucoup, trop de kikou. C'est assez dommage d'ailleurs, mais bon. Bref, et en fait, voilà, ça qui m'énerve justement sur ce jeu, c'est qu'il y a des kikou. Enfin, sur, il y a eu l'affaire Zorlac. En fait, j'en parle même pas. C'est vrai que je pourrais en parler, hein, de l'affaire Zorlac, ouais, machin, son site, machin. Mais en fait, je veux pas parler de ça parce qu'en fait, c'est chiant. En fait, ça a rien, les gars. Les gars, vous jouez au même jeu, vous mappez pour un jeu. Mais s'il y a des cons qui volent votre truc, et bah voilà, à un moment, ça se fait pas. Bon, je défends surtout pas ces personnes-là parce que je suis totalement contre. Mais voilà, c'est des gens qui ont aucune personnalité, qui sont pas pour la plupart capables de créer un mode et qui juste convertissent des modes. Voilà, et honnêtement, je trouve ça très nul de leur part et très nul en fait d'en faire une tonne, de signer des pétitions contre Zorlac, de... Voilà, faut arrêter d'en faire des tonnes, faut arrêter. Et ces personnes-là, elles sont connes, elles sont pas intelligentes, elles réfléchissent pas à ce qu'elles font, mais laissez-les, parce que, bah, de toute façon, s'ils font des mods complètement pourris, complètement buggés, et qu'il y a personne qui télécharge, et qu'il y a personne qui s'en intéresse, qui vont sur leur stream, sur leur vidéo, tout ça, et bah ces personnes-là, elles vont plus rien faire, et puis au final, ce sera tant mieux, parce qu'elles vont dégager, et puis voilà. Donc, c'est ça qui m'énerve justement sur la communauté farming, c'est que, bah voilà, il y a trop de kikou, il y a trop d'affaires. Il y a longtemps que j'ai très arrêté de suivre toutes les affaires, de machin, yadana. Pareil, toutes les maps qui sortent, moi je regarde sous les sites de mods qui sort, voilà, c'est tout. Tout ça pour dire que cette communauté-là m'énerve au plus profond, voilà, m'énerve beaucoup. Alors, la communauté m'énerve, hein, voilà, faut pas le prendre mal. La communauté, l'ambiance de la communauté m'énerve, puisque c'est des affaires, des modes volés, des sites qui partagent des trucs convertis sans autorisation. Voilà, ça m'énerve honnêtement, ça m'énerve, et le problème c'est qu'en fait, bah voilà, moi quand je parle des gens, ils me parlent de ça, machin. Donc ça m'énerve, il y a ça qui m'énerve. Un autre truc, voilà, où honnêtement je voudrais, mais je ne peux pas, c'est tout simplement répondre à tous les commentaires. J'en reçois énormément de commentaires sur le mapping,
sur le modding, je peux plus répondre aux commentaires. J'ai plus le temps de faire mes vidéos. Il y a deux semaines, il y a eu deux semaines sans émission. J'ai plus le temps de rien faire. Je passe le bac à la fin de l'année. J'emménage à Paris en octobre. J'ai plus le temps de rien faire, honnêtement. Voilà, c'est pas pour me dédouaner ou quoi, mais j'ai plus le temps. Hein. Je peux pas faire comme farming sur notre planète, créer une faille spatio-temporelle et voilà. Non, on peut pas modifier le temps. Donc voilà, j'ai plus le temps. Donc je ne réponds plus trop aux commentaires. Le prenez pas mal. J'ai plus le temps, de toute façon, je peux pas le faire. Donc voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que bah, les vidéos farming, bah, ça peut que j'en fasse plus trop. Que je perde beaucoup de viewers, ça peut. Voilà, honnêtement, si ma chaîne. En gros, si j'arrête farming et que ma chaîne est trop associée au mot farming, je la ferme. Voilà, tout simplement, je la ferme parce que je vois plus. Enfin, je la ferme, j'arrête. Bim, je laisse les vidéos parce qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Hein. Mais je la, enfin, honnêtement, voilà, ça m'intéresse pas de rester sur une chaîne auquel j'ai même, enfin, je réponds plus. Si je fais plus de vidéos sur farming, voilà, je la ferme. Ou alors, voilà, je fais d'autres vidéos parce que quand je vais être à Paris, j'espère reprendre les streams. Honnêtement, j'espère bien reprendre les streams. J'essaierai de faire des vlogs. Honnêtement, c'est un truc que je kiffe, c'est à faire des vlogs. Faire des vlogs, faire des streams. Je peux pas en faire chez moi actuellement, donc c'est pour ça que j'attends d'emménager à Paris en octobre pour pouvoir en faire. Voilà, voir dans quelles conditions, on verra bien. Donc voilà, faire des vlogs, c'est ça que je kifferais énormément. Donc l'année prochaine, pour ceux qui ne savent pas, je serai dans une école de radio à Paris. Donc du coup, bah, je ferai beaucoup de vidéos sur la radio, ce qui est normal. Je ferai sans doute des stages aussi chez Fun Radio, chez Bruno dans la radio, pour ceux qui connaissent. Donc faire des vidéos, honnêtement, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Voilà. On verra honnêtement comment ça va se faire. Je peux pas dire maintenant, voilà, regardez, je ferai tout ça. Je ne peux pas dire. Donc on verra comment ça va se faire plus tard. Voilà, tout simplement. Je voudrais aussi parler d'une petite chaîne. Une petite chaîne, alors. Je sais que ça intéresse pas forcément beaucoup de gens sur ma chaîne, en tout cas. La radio, malgré que je fais de trois petits vlogs, tout ça, c'est un YouTuber qui s'appelle Créer sa radio de A à Z. Enfin, c'est le nom de la chaîne YouTube. Le YouTuber s'appelle... honnêtement, il a dit « Ouais, moi, je veux pas de pseudo. Vous m'appelez Monsieur Mazur. » Donc, Monsieur Mazur, Créer sa radio de A à Z. Allez voir sa chaîne YouTube. Honnêtement, moi, pour lui avoir parlé, c'est quelqu'un de très gentil. Un Belge. Voilà, qui a postulé notamment pour faire des émissions sur énergie. Le gars pèse un petit peu. Le gars connaît beaucoup de choses. Donc voilà, c'est assez kiffant. Et ça, voilà, c'est un monde que je kiffe. Et comparé à farming, voilà, c'est pas trop comparable d'ailleurs même. Donc voilà, tout ça pour dire que des vidéos sur la radio, j'essaierai d'en faire plus. Des vidéos hors farming, j'essaierai d'en faire plus. Des vidéos sur le modding, j'essaierai d'en faire plus. Je sais pas trop, on verra en tout cas. Donc voilà, tout ça pour dire que les vidéos, donc voilà, depuis on va dire à peu près décembre, les vidéos ont beaucoup évolué. Après tous les tutos que j'ai fait sur farming, les vidéos ont beaucoup évolué. J'ai présenté pas mal de mods, ma map qui est sortie, la Legion Forest V1.9 qui est sortie, la map aventure qui va sortir. Donc je varie beaucoup de trucs et ça va pas s'arrêter, ça va continuer, ça va, voilà, ça va faire des vlogs. Je vais continuer, faire des streams, voilà. Je vais essayer de changer un petit peu voilà, mon univers, en tout cas. Donc, voilà, tout simplement, les, entre guillemets, choses qui vont venir sur la chaîne. Donc, voilà, puis les émissions, honnêtement, si je pourrais avoir des invités, ce serait encore mieux. Mais bon, ces petites émissions-là qui vont continuer. Au passage, comme je fais de la radio IRL, donc continuer les vlogs, ça je l'ai dit, il se peut que j'organise une émission radio, parce qu'en gros, dans la radio, je suis, voilà, entre guillemets, ils font une petite grille blanche, donc où chacun peut proposer un projet d'émission et faire son émission. Donc, c'est ce que je ferai. Je cherche des youtubeurs nantais, donc s'il y a des gens qui habitent à Nantes, qui ont une chaîne YouTube, pas forcément sur du farming, hein, c'est YouTube, ou même qui sont streamers, voilà. Bon, faut avoir un minimum d'abonnés, ou même si plus, je pense, vous connaissez des gens qui s'intéresseraient à faire de la radio, hein, des gens, des youtubeurs, des streamers un petit peu connus. Je vous demande pas non plus qu'ils s'appellent Cyprien Squeezie, hein, voilà, mais avec au moins 20-30 000 abonnés.
Il y en a beaucoup. Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas. Voilà, ils peuvent me contacter par mail. N'hésitez pas, même en commentaire. Voilà, je reparlerai. Honnêtement, voilà, même par téléphone. Hein, honnêtement, ça peut être cool aussi. Même s'ils peuvent, voilà, pas venir à Nantes dans les studios, moins les avoir par téléphone, ça pourrait être cool. Bref, donc, je reparlerai de tout ça après. Mais donc, tout ça pour dire, en fait, dernier sujet, mes vidéos vont évoluer. Voilà, c'était la dernière petite chose que je voulais dire de cette émission-là. Merci de l'avoir suivi, c'était hyper cool. Et puis voilà, prochaine émission, je dis pas forcément la semaine prochaine parce que bah j'aurai peut-être pas forcément le temps, tout simplement. Mais bon, j'espère voilà que ça va venir insoucement si peu, très rapidement. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, cette petite enregistrement d'émission évidemment, parce que c'est une émission enregistrée. Bref, si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, mettez dans les commentaires le mot poulet pour voir qui a suivi ce stream jusqu'à la fin. Voilà. Merci à tous d'écouter Paul Flynn, Stock You I To Them. Bon, peu importe. Merci à tous et puis bah à prochaine vidéo. Et voilà, donc si vous avez vu le stream jusqu'à la fin, le mot poulet en commentaire. Allez, à plus tout le monde!